Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Voilà, vous avez bien profité, que vous soyez en repos ou au travail. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Pour vos jolis commentaires. Merci pour tout. On va commencer. On va prendre la carte. La carte de la semaine. Oui, on va découvrir ensemble la carte de la semaine. Donc comme toujours, hein, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Faites bien le tri. Voilà. Et donc c'est du général. On va voir un petit peu la carte, le message et la carte qui va rythmer votre semaine. En sachant que nous sommes dans la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune. Je prends ce magnifique oracle qui est rempli de couleurs. Il est beau. Regardez. Il est beau, hein? Allez, on prend celui-ci. Alors, la carte, le message de la semaine que vous avez à recevoir. Alors, la carte de la semaine. Celle-ci. Alors, c'est le bâton, la carte 51. Le bâton. Attendez. Donc, c'est la carte 51. Alors, le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Donc, durant cette semaine, va peut-être falloir que vous fassiez preuve. Vous allez peut-être faire preuve ou l'effraie en fait d'une certaine forme d'autorité. Peu importe quelle qu'elle soit, ou alors c'est vous qui êtes autoritaire avec vous-même. En tout cas, il va falloir peut-être que vous pouvez vivre, être face à une personne qui soit dans les extrêmes, ou alors que vous soyez tout simplement dans les extrêmes. Des personnes qui vous entourent, une ou plusieurs, vous pouvez faire les frais, voilà, d'une autorité. Il va vraiment falloir en fait, on vous recommande de tempérer les extrêmes, durant cette semaine, de tempérer les extrêmes. De pas tomber voilà, dans une autorité trop forte. Et pas tomber aussi sans autorité aucune, d'essayer d'être vraiment dans, voilà, dans l'équilibre. Vous allez trouver pour moi un bon plan d'action. Ce sera peut-être la voie du milieu. Et vous allez recevoir durant cette semaine une aide à maintenir en fait votre équilibre durant votre progression. Donc vous allez progresser et vous allez garder un équilibre. Même, voilà, pour moi vous allez réussir à tempérer les extrêmes, générés par vous-même ou par autrui. Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert et avec lui il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir. Donc vous pouvez vraiment invoquer le pouvoir de la nature pour guérir, mais aussi pour faire apparaître des fléaux durant cette semaine. Le bâton aussi vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir.
Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Donc, durant cette semaine, vous allez choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Donc là, pour moi, votre cœur a déjà entrepris un voyage. Et je vois que on vous recommande de faire le premier pas. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et aussi la capitulation. Vous êtes pris dans l'équilibre délicat entre des forces opposées, entre le masculin et le féminin, entre l'action et l'inaction. Utilisez ceci à votre avantage, car il ne peut y avoir deux jours sans nuit, pas de bas sans haut, pas de mal sans bien. C'est le moment de prendre des mesures peut-être correctives. En commençant par vos croyances sur ce qui doit être amélioré, laissez le destin suivre son cours en lui donnant un léger coup de pouce. Laissez le destin suivre son cours et pour moi, durant cette semaine, vous allez recevoir un coup de pouce. Alors, soit dans les cieux, soit sur terre, soit dans les cieux, soit terrestre, soit céleste, soit terrestre. Voilà le message de la semaine. C'est un réel plaisir de partager ce message avec vous pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Chouchoutez-vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À très très vite.